Bien, ça y est. Eh bien, croyez-moi, c'est comme ça que j'ai commencé à la radio. C'est comme ça que j'ai commencé à RTC. Je suis très heureux et honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans le premier Bill Tunisie. Je me présente, je suis Ayman Talbi, producteur télé, radio et animateur à RTCI. Farham Barch, je suis venu à l'espace d'artiste ou à l'espace d'artiste ou à l'espace d'artiste. Nous avons parlé d'une école d'espace d'artiste un peu familial. Et nous, pour notre premier événement, on a voulu que l'espace d'artiste ou l'icône fille Bill Tunisie. Pour qu'on le fête, bah, une petite fête quoi. Habina a cette conférence l'année ou non de conférence l'année. Je suis en famille, on partage ces moments extraordinaires qu'on va partager ensemble. Un partage d'expériences, de réussite ou beaucoup d'émotions qu'on va découvrir juste après. Le premier Bill Tunisie, c'est ce monsieur, le Bchar Kilnali. Juste une petite remarque avant de commencer. Téléphonez comme silencieux. Et les Bchem, s'il a des besoins à faire, si déjà fait, ou faire l'ordre. Où je vais vous parler un peu du programme. Le programme, on va commencer le Bill Tunisie Tao avec nos intervenants particuliers qu'on a choisis rien que pour vous. Rien que pour vous. On a choisi des intervenants particuliers pour un Bill particulier avec un public particulier. Allez, vous allez découvrir. Habina, tout est simple, tout est beau. Et le programme, je vais commencer au Bill Tunisie avec nos intervenants. On va commencer par deux interventions, deux invités, puis une petite pause café dans laquelle nous allons sortir le bar ou les habits kaif, les habits business. Voilà. On va finir avec un troisième intervenant. Troisième et quatrième surprise. On va le découvrir juste après. Attendez, surprise. On a après 30 minutes, vous pouvez poser vos questions ou les tabouali à nos invités. Juste prenez note. Le hashtag Abdelkrim, voilà, le hashtag il est là pour ceux qui veulent tweeter. Pour ceux qui ne veulent pas tweeter, figal bak tweeti. Voilà. Donc le premier Bill Tunisie sans plus tarder, c'est ce monsieur. Ce monsieur c'est Abdelkrim Abdallah pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon. L'atelier de blogging, les photos, partout. C'est un ingénieur fi OMV Petroleum, activiste du web et blogueur aussi. Et moi aussi, je suis blogueur dans mes heures perdues. Donc voilà. Khalil Hakil, comme à l'Albil Tunisie, ou Mardi Kanabde. Alors tout d'abord, merci à tous d'être venus. Enfin, on a organisé ce bill. On a essayé de commencer le bill depuis mai 2011. On a fait des réunions, on a planifié et tout, et on a abouti à l'échec. Mais l'échec a enfin abouti à un succès, le haut. Merci beaucoup, je vous applaudis. Est-ce que j'ai tout? le Bill, c'est un event qui est lancé en Amérique. C'est une non-conférence. Une non-conférence, c'est une conférence en fait qui est organisée par la BED ou chaque conférence ibrahim. C'est une, comment dire, les conférences classiques, les conférences au sponsoring, c'est très simple, c'est très, tout le déjà, quand tu as le public, c'est le staff, de façon directe ou indirecte. On a travaillé pour faire cette conférence-là. Merci à vous tous. Je peux citer les sponsors. Le sponsor en tant que pire, notre partenaire, c'est les agendas pointillés, c'est Samir Labidi, je crois. Qui a bossé avec nous, c'était pas un sponsoring, et Tunisia Live pour la couverture vidéo, et tous les autres médias les mana, Tim Saha Lyoum. Qui marquait un programme, il y a des speakers ou Kulchei, mais je voulais vous dire que Bill est un concept ouvert à toute initiative. Bill est une conférence qui ne demande pas vraiment une licence spéciale, c'est très facile à organiser. Vous pouvez commencer à faire vos propres conférences Bill, Bascol. Sur simple, même pas une demande, vous envoyez un email, on va plus tard parler de ça. Vous pouvez trouver Bill sur Twitter, Bill Tunisia, il y a la page Bill, et la page Facebook, et puis le site qui est encore en construction, tn.billconference.com, qui sera prêt très bientôt. Vas-y.
Donc, d'après le Femlin School, Bill Conference, c'est quoi? Bill Conference, c'est une non-conférence, Arlèche non-conférence, ça sort du cadre classique d'une conférence où tu as besoin, par exemple, d'une licence pour organiser cet événement. Non, en fait, aujourd'hui, avec Bill Conference, tu peux organiser le Bill, fait la région MTEAC, fait l'école MTEAC, fait la faculté MTEAC, vous pouvez l'organiser vous aussi. Ça sort du cadre classique ou carré avec un Bill Conference. Vous n'avez pas besoin d'une audience, un public bien déterminé, d'inscription. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de droits de diffusion, de licence. Et si vous voulez organiser un Bill, on peut travailler tous ensemble pour organiser ce Bill. On veut remercier monsieur, pourquoi? Parce que hier il était avec nous, c'est un sponsor, mais aussi il est membre de l'équipe. Il était avec nous dès le début aussi. Pourquoi ça sort du cadre ordinaire? Parce que aussi, ces personnes-là qui sont là, qui ont organisé ce bill, ben moi, personnellement, il m'appelait, on va dire, une semaine avant pour me dire « Ayman, tu viens participer à ce bill ?» Et j'ai dit directement oui. Pourquoi? Parce que je connais parce que ce sont des jeunes qui rêvent et qui partent dans la réalisation de leurs rêves. Et moi aussi, je fais partie de ce monde-là qui veut... Voilà. Donc, Bill Liu partage d'idées, partage d'expériences, d'émotions avec un public. J'aimerais avoir votre avis juste après, dans la séance de questions. J'aimerais savoir comment vous pensez donc, de nos intervenants. On les a choisis spécialement pour ce Bill, pour ce premier Bill. Et vous allez comprendre juste après. Le thème. C'est ce monsieur qui va nous répondre à l'échelle de thème. Le thème est le développement durable. Le thème est le développement durable. Donc, on a l'échelle de développement durable. Le choix en termes de développement durable est dû à Hashtin, ou à la Sotfer. J'ai été rappelé par le BAD. Banque africaine de développement. Ils m'ont demandé. Que peuvent faire les blogueurs pour le développement durable? Et on a déjà un cadre de faire le bill. Donc j'ai dit c'est la meilleure occasion. Déjà, à part la dire, le développement durable, c'est un des sujets les plus importants. Tawaf et Tunis, il y avait des millions et des millions investis en Tunis, mais qui n'ont abouti à très ou peu de projets. Avec les interventions, surtout c'est allé tout simplement à l'aise. Et donc, j'ai une idée pour nous parler de la chose qui nous a fait. Qui est très importante, que personne n'en a parlé de façon comment dire, claire et directe, on a mis des masques. Nous sommes là pour parler du développement durable selon la vision de l'esprit que nous avons. Nous avons une contribution à la chose. Développement durable, on a choisi ce thème, vous allez découvrir à travers nos intervenants, chacun a sa vision à lui, différents intervenants, quatre intervenants, chacun qui vit dans un milieu bien déterminé, chacun dans son coin à lui. Développement durable, vous savez tous qu'on nous a donné plein de promesses depuis notre existence, depuis qu'on est né, on nous a donné plein de promesses qui ne sont jamais tenues, qui n'ont été jamais tenues. Et visiblement, bon, nous avons choisi un sujet pour parler du futur. L'IGEI, que ce soit proche ou loin, ou nous voulons voir comment nous sommes en train de parler du futur, nous sommes en train de parler pour une Tunisie meilleure. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre premier intervenant, on va commencer avec Madame Sonia Barbaria. Madame Sonia Barbaria, elle est